Ça avance, on a brossé le projet, et il y a encore pas mal de points de divergence, donc la direction demande encore du temps. Elle n'a pas voulu nous fixer vraiment une heure de reprise des négociations. Mais elle ne souhaite pas que l'on s'arrête ce soir au point où on est arrivé. On va donc continuer. On a remis au président un projet qui est un projet destiné à faire des pilotes ses partenaires, et nous attendons qu'il se positionne sur ce projet. Nous allons donc rentrer chez nous, nous reposer, et puis lundi, nous verrons si le président veut examiner ce projet. Et s'il veut l'examiner, alors tout est possible. S'il ne veut pas l'examiner, nous aurons des décisions graves à prendre, et je puis vous assurer que tous les pilotes assumeront cette décision. Une réponse. Est-ce que tous les syndicats sont sur la même ligne que vous ? Tous les syndicats sont sur la même ligne. Aucun rendez-vous fixé à l'heure actuelle par le président qui a dit, je le confirme, je prendrai mes responsabilités. J'ai un plan pour l'entreprise qui doit être respecté et en conséquence, je prendrai mes responsabilités et la séance s'est arrêtée là. En ce qui nous concerne, donc, le président ayant mis un terme aux négociations, nous avons quitter la salle, mais bien évidemment, nous sommes prêts à revenir et participer à de nouvelles négociations, s'il le souhaite, et à n'importe quelle heure de la journée. Nous avons travaillé toute la nuit, comme les nuits précédentes, avec toutes les organisations syndicales représentatives des pilotes d'Air France, à l'issue de très longues et de très minutieuses discussions. La direction de l'entreprise a proposé à toutes les organisations syndicales un accord cadre de sortie de conflit, actant sur de très